Ce morceau s'appelait L'Arbre Monde. C'est un morceau écrit par David Florch, le premier saxophoniste du groupe, qui a malheureusement pas pu être avec nous, mais il est avec nous à travers sa musique, et ça nous fait très plaisir. Ça nous ramène là encore plus en arrière. Donc je fais un petit flashback sur l'histoire d'Ozma. Donc on s'est rencontrés lors de ce concours d'entrée du conservatoire d'Adrien. C'était un hasard total. Moi, par exemple, pour juste mon histoire, je jouais dans des groupes de métal. Et c'est Marc-Antoine Schmitt, qui est dans la salle d'ailleurs, qui m'appelle et qui me dit « Tiens, j'ai un copain, il cherche un batteur qui sait jouer du jazz, tu sais faire ça ?» Oui, oui, bien sûr. » Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à rencontrer ces magnifiques musiciens. Et Adrien est rentré au conservatoire, évidemment. Puis il nous a rappelé, il nous a dit « Hey les gars, ça vous dit de continuer, c'était très sympa. » Donc on a répété des heures et des heures dans sa cave humide au Neudorf. Et on a... Pardon ? Tu as mis une petite remarque. Et on est tous rentrés au conservatoire. Et ça faisait sens pour nous de rendre un petit peu l'appareil au conservatoire aujourd'hui et de faire un petit clin d'œil là où en fait tout a commencé. Et donc on a invité 5 musiciens du conservatoire à se joindre à nous. Et du coup, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Raïm, Anatole, Romain, Lilian, Fabrice, Mathieu, Maxime, Hugo et Loïse. Donc le morceau qu'on vient de vous jouer, c'était un morceau qui avait été écrit pour ce répertoire Ozma Orchestra, et le prochain également, et une composition à deux têtes entre Adrien et David. Avec Ozma, on nous a tout souvent demandé si ça avait quelque chose à voir avec le magicien d'Oz. C'est peut-être ce qui nous a inspiré ce titre. Donc on va vous jouer The Wizard.